Salut à tous, c'est un vrai plaisir de reprendre la route pour une nouvelle vidéo. Bon, vous avez été nombreux à apprécier ma visite au château de Setsau. Et donc je vous avais promis que je reviendrais dans la région pour visiter d'autres châteaux. Donc je suis de retour dans le coin. Alors pour être un peu plus précis, ici on est dans le Tardenois, c'est-à-dire entre la Marne et l'Aisne, entre Reims et Soissons. Et c'est un secteur où les vestiges médiévaux sont assez nombreux et surtout assez bien préservés. Et donc on va se diriger vers le château de Fer en Tardenois que j'ai déjà visité il y a de nombreuses années et qui est vraiment, vraiment impressionnant. Ouais, en attendant ici je suis au golfe de Champagne et ils ont les petites voitures qui vont bien. Où il y a vraiment moyen de se faire plaisir avec des routes faciles et vraiment cool. Bon, alors petit bonus, vu qu'on est sur la route de fer, on est à quelques kilomètres seulement du château de fer en Tardenois, mais ici on a déjà un. Le château de Nel, ou Nesle, je sais pas comment on dit. On va aller voir si ça se visite. Bon, il y a un parking, c'est bon signe. On va aller se mettre à l'ombre tranquillement. Du château de Nel, je n'ai fait que des images extérieures en me baladant à travers le parc. Construit vers 1226, le château garde encore aujourd'hui un aspect rigoureusement médiéval. Il est encore flanqué de ses douves, de ses tours et de la plupart de ses murs d'enceinte. Avec le soleil sur ses vieilles pierres, il m'aurait presque rappelé un château du sud de la France. Pourtant, ce n'est pas de cela dont il s'inspire, mais du château de Dourdan, historiquement situé dans l'Essonne. En se promenant à l'arrière, on peut encore contempler un logis à l'aspect lui aussi très médiéval. Situé à l'extérieur du village de Nel, la demeure fait face à la campagne du Tardenois et à ses forêts environnantes. Bon, mais voilà. J'ai fait qu'un bref arrêt ici pour prendre en photo les extérieurs. Parce que l'objectif c'est bien le château de fer, mais celui-ci se visite également. Je crois que c'est 3 euros la visite, bon c'est très modique et franchement il est bien conservé, j'y reviendrai un jour. Ah, quel bonheur de rouler en trail! Bon, alors fer en Tardenois, je crois que c'est à droite. Oh la vache, cimetière militaire. Je ne le connais pas celui-là, mais il a l'air énorme aussi. Hein. Alors, ruine du château, par ici.
Dès l'arrivée sur le site, le château de Ferrand-Ardenois impressionne par la taille de ses ruines. Malgré l'usure du temps, les vestiges du château gardent un côté majestueux qui ne laisse personne indifférent. S'arrêter à Ferrand-Ardenois, c'est la garantie d'une visite absolument insolite. Érigée à partir de 1206, la forteresse est bâtie sur une butte semi-artificielle. De forme heptagonale, elle était flanquée de tours rondes à chacun de ses angles. La butte et les douves sont encore intactes. Mais le plus impressionnant reste sans doute ce pont d'accès monumental servant à rejoindre l'édifice central. Alors si ce pont il est aussi énorme, c'est parce que c'était pas juste un pont-levis, c'était un pont couvert, c'est-à-dire qu'il y avait des habitations dessus, et donc il faisait partie intégrante du château. Si le château date de l'époque médiévale, le pont couvert, lui, nous vient de la Renaissance, et il abritait de nombreuses pièces de vie. À l'extérieur se trouvent aujourd'hui de luxueux jardins. Et les anciennes écuries abritent désormais un établissement dédié à l'hôtellerie. À défaut d'avoir subi de violents combats, la forteresse centrale, elle, se trouve partiellement démolie en 1779, ce qui explique son état actuel. Mais au pied des tours, on peut encore admirer la campagne environnante, dominée par l'édifice. Malgré leur destruction partielle, la plupart des tours sont encore d'une taille monumentale, et la visite de leurs vestiges s'avère vraiment un moment pittoresque. Libre d'accès, les ruines du château de Ferrand-Ardenois sont vraiment un endroit à visiter si vous passez dans la région. C'est un lieu unique où se rejoignent différentes périodes de l'histoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré venir ici, c'est vraiment un endroit génial à visiter, les ruines sont énormes. On n'est vraiment pas loin de Reims ni de la région parisienne, donc j'espère que vous aurez l'occasion d'y venir parce que les routes sont vraiment très cool. D'ici là, je vous souhaite bonne route et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!